Hello les bartenders, aujourd'hui je vais vous réaliser un cocktail très spécial pour nous, mais je vais vous donner quelques indices pour vous le faire découvrir. J'ai été créé en 1919 à Florence et je suis aujourd'hui le deuxième cocktail le plus commandé dans les bars à cocktails. Je suis... le Negroni. Et j'ai décidé aujourd'hui de partir sur un petit twist puisque je n'avais plus de vermouth à la maison. J'ai donc utilisé un vin blanc sec dans lequel j'ai rajouté un petit peu de sucre et plein d'aromates, des fruits, des épices que j'avais dans ma cuisine. J'ai fait macérer tout cela pendant 24 heures et je vais pouvoir l'utiliser pour faire un superbe Negroni ultra rafraîchissant. Alors, on va maintenant prendre le verre de notre choix, celui qu'on trouve dans sa cuisine. Tant qu'à faire, on va essayer de servir un Negroni dans autre chose qu'un verre à moutarde. Chose un petit peu plus sympa quand même. Donc on prend notre verre, on complète le glaçon. Et on vient verser 3 centilitres de Campari, car pas de Campari, pas de Negroni. 3 centilitres de Gin Bulldog, un London Dry Gin bien équilibré. 3 centilitres de notre vin blanc macéré avec les épices et les fruits. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à mélanger. Et à ajouter notre garniture, un zeste d'orange. Et voilà, un Negroni sans vermouth. Allez, ciao les tifosi. Je vous dis à très vite sur bimixo.com et salute.